Bonjour, bonjour. Je vous présente donc le gilet brassière qui est simple à tricoter. Donc pour moi, ça sera alors, du 6-9 mois. C'est rare que j'en fais. Pour donc c'est vraiment assez grand et large, donc très extensible aussi. Vous voyez, au niveau des manches. C'est rare que je fasse cette taille, mais bon, ça a été une demande pour une amie. J'ai un petit point ici qui est très simple, en fait, c'est des points en droit, points en vert, qui agrémentent ce petit gilet, en fait. Tout simple, point mousse, du jersey et du point mousse. Vraiment rien d'exceptionnel. Les manches du jersey et du point mousse. J'ai utilisé pour ça donc des aiguilles, hop, numéro 4. Donc ça sera des aiguilles numéro 4, de la laine 4-5. Parce que là, c'est vraiment un gilet et pas une brassière. Donc, pour que ça soit vraiment assez extensible, hein, parce que c'est vraiment le gilet-gilet, j'ai utilisé, hein, je suis en train de chercher où j'ai mis, hop, une pelote entière. Souvent, vous me demandez, et je ne sais plus ce que j'ai fait de ma petite étiquette. La voici, la voilà. Et donc, vous voyez, et j'ai fait un. J'ai été obligée de l'utiliser celle-ci, hein, juste pour terminer les manches, en fait. Donc, j'ai pas utilisé énormément. Donc, vous voyez, hein, c'est de la laine qui se tricote en 4-5. Donc, 100 grammes pour 250 mètres. Donc, voilà. Et j'aimais bien, c'était ça, quoi. Le rendu que ça donne. Super sympa, je trouve, pour un gilet. C'est sympa, sympa. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ce gilet-là. On commence par le haut. Alors faites attention au niveau des boutonnières, parce que moi j'ai tendance, j'ai pas l'habitude de faire les boutonnières. Et du coup, j'ai tendance à les zapper. Donc notez bien sur un papier. Pour pas que vous les oubliez non plus. Donc, on commence par le haut. On va tricoter toute cette partie-là. Et on reprend. Alors, cette fois-ci, j'ai tricoté les manches en dernier, tout simplement. Donc, j'ai tricoté tout ceci et les manches. Alors, certaines vont sûrement tricoter les manches en rond parce qu'elles auront des circulaires, mais pour celles qui tricotent avec des aiguilles droites, j'ai fait comme si j'avais des aiguilles droites. Donc, des aiguilles droites pour tricoter ceci, il n'y a aucun problème, c'est faisable. Donc, voilà. Je vais vous abandonner et on va commencer à tricoter ensemble. Donc pour commencer la brassière gilet brassière, on monte hop hop 70 mailles. Donc je les ai montées sans vous le montrer en fait. Et à partir de là, on va tricoter 6 rangs au point mousse. Donc je récapitule. Donc le gilet brassière, donc aiguille numéro 4, la laine 4-5. On a monté 70 mailles et on va faire 6 rangs point mousse, donc c'est égal à 3 barres. Donc pour cela, le point mousse, c'est tout à l'endroit. Je ne suis pas installée comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, hop. J'arriverai peut-être mieux comme ça. Soupe.
Donc, cirant point mousse, toutes les mailles à l'endroit. Rien de compliqué. Donc, on va faire 6 rangs. Là, c'est le rang numéro 1. Et on se retrouve une fois qu'on a tricoté les 6 rangs au point mousse. À tout de suite. Donc, une fois qu'on a fait nos 6 rangs, donc 3 barres, 1, 2, 3 arêtes d'aiguille, nous allons commencer le motif. Alors, pour commencer, on va faire la bordure avec les boutonnières. Donc là, on va tricoter la première boutonnière. Donc, 1, 2 mailles, un jeté et deux mailles ensemble. Ça sera notre première boutonnière. Donc deux mailles ensemble et je termine par deux mailles endroit. Une et deux. Donc ces 7 mailles là, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une. Ah, je me suis plantouillassé. C'était pas 2, c'était 3 mailles. C'est pour ça. Hop. Zoup. Donc 2 mailles. 3. Donc 3 mailles en droit. Un jeté. 2 mailles ensemble. Et deux mailles. Une, deux mailles en droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Donc ces 7 mailles-là, ça sera la bordure. D'accord? Donc moi, je mets un marqueur pour ne pas oublier. Parce que ces mailles-là seront toujours au point mousse. Donc 7 mailles ici. Donc 7 mailles de ce côté-ci aussi. Donc là, on a fait notre première boutonnière. On commence le motif. Donc, on fait deux mailles en droit. Une, deux mailles en droit, un jeté. Deux mailles en droit, une, deux, un jeté. Deux mailles en droit, un jeté. Une, deux mailles en droit, un jeté. Une, deux, un jeté. N'oubliez pas qu'à la fin, on garde 7 points. Points pour tricoter tout à l'endroit. Pour la bordure. Donc, un jeté. Une, deux, un jeté. Une, deux, un jeté. Une, deux, un jeté. Une, deux, un jeté. Une. Deux. Un jeté. Une. Deux. Un jeté. Une. Deux. Je passe mon aiguille, mon fil devant. Je la pousse sur l'aiguille. Ça me fait un jeté. Une. Deux. Un peu sur mon fil. Donc on a dit 2, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux,
un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, une, deux, un jeté. Donc, 2, 4, 5, 6, 7. Une, deux, un jeté, une, deux, un jeté, deux, quatre, six, une, deux, et un jeté. Et là, hop là, il me reste une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est sept mailles là, donc là j'ai mon jeté, hein. Hop, je mets mon marqueur et ces 7 mailles là, je les tricote tous à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Ok. Je tourne mon travail. Le deuxième rang. Donc ma première maille, moi je la tricote pas, c'est une maille lisière. Je tricote donc ces mailles-là à l'endroit. Donc ça m'en fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord ? Je passe mon aiguille. Ici, je tricote le jeté à l'endroit. Les deux mailles suivantes à l'envers. Le jeté à l'endroit, les deux mailles suivantes à l'envers, jeté à l'endroit, les deux mailles à l'envers, le jeté à l'endroit, les deux mailles à l'envers, le jeté à l'endroit, les deux mailles à l'envers, le jeté à l'endroit, les deux mailles à l'envers, à l'endroit, deux mailles à l'envers. Voilà ce que ça donne. D'accord ? Hop. Soup. Notez bien ce que vous faites, parce que ce motif-là, on va le répéter plusieurs fois. Donc, deux mailles à l'envers, le jeté à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, le jeté à l'endroit, les deux mailles à l'envers, le jeté à l'endroit, les deux mailles à l'envers, jeté à l'endroit, les deux mailles à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, deux mailles à l'envers, à l'endroit, deux mailles à l'envers. Le jeté à l'endroit, deux mailles à l'envers, le jeté à l'endroit, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, hop, le jeté à l'endroit, hop, deux mailles à l'envers, le jeté à l'endroit, deux mailles à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers,
à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Passe le marqueur et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tout ça à l'endroit. Le jeté, c'est pareil, vu que c'est pour faire notre boutonnière. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et là, nous allons tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, les sept premières mailles, donc la bordure tout au point mousse. Voilà. Pardon. Et là, nous avons notre boutonnière. De là, on va commencer le premier rang, enfin, le troisième rang. Donc ici, les deux mailles, on les tricote à l'endroit, parce qu'on va faire du jersey. Le jeté qui est là, on le tricote à l'endroit. Ça sera un point mousse. Donc là, le rang, on va le tricoter tout à l'endroit. Et vous allez voir comment le point se former. Là, le rang numéro 3, tout à l'endroit. Je tire sur mon fil. Donc ici, je termine avec le jeté à l'endroit. Donc ça veut dire que quand je vais tourner, ça sera une maille à l'envers. Donc ici, on fait les 7 mailles de bordure. Donc à l'endroit parce qu'on est au point mousse. Voilà. Tourne notre travail. Donc on recommence. Donc là, c'est le rang numéro 4. On
Enfin, moi, c'est ma maille lisière. On tricote les 7 mailles au point mousse, donc tout à l'endroit, vu que c'est la bordure. Quatre, six, sept. Je passe mon marqueur et cette maille là je la tricote donc à l'endroit et les deux mailles derrière sont à l'envers, à l'endroit, et les deux mailles à l'envers, à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Alors, on mettait soupe, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Hop, 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 j'ai dû faire un mid pic pic pic. Pop, hop, je vais arriver où? Que je comprenne. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. Une, deux, à l'endroit, deux à l'envers, une, deux à l'envers, une à l'endroit, deux à l'envers, une, deux à l'endroit, deux à l'envers, à l'endroit, deux à l'envers, à l'endroit. Deux à l'envers. Pourquoi je fais deux? Deux à l'envers, une à l'endroit, à l'envers. Si je commence à mélanger mes pinceaux, ça va pas aller. Une à l'endroit, deux à l'envers, une à l'endroit. Hop. Donc j'ai fait une à l'endroit, deux à l'envers. Une, hop, deux, une à l'endroit, deux à l'envers, 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 à l'endroit. Et j'en fais deux, je suis reparti à faire mes bêtises encore. Donc deux à l'envers, une à l'endroit, 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 et on finit par deux à l'envers. On va réussir! Décidément. Et on termine par les 7 mailles à l'endroit. Pour la bordure. Hop. Donc ça, c'était le rang numéro 4. Hop. On tourne notre travail. Je tire en même temps du fil. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Je sais pas si vous voyez le motif. Se dessine. On recommence donc tout à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du travail. Donc
mailles lisières. Et 7 mailles donc à l'endroit pour la bordure. On passe le marqueur et on tricote tout à l'endroit. Ça, c'est le rang numéro 5. Ce marqueur et on termine par les 7 mailles tout à l'endroit pour la bordure. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on recommence comme tout à l'heure. Hop. Donc une maille lisière. Mes 7 mailles de bordure, donc tout à l'endroit. Je passe mon marqueur. Donc la première maille, c'est une maille à l'envers, à l'endroit, pardon, et 2 mailles à l'envers. 1, 2. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Hop. Et 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Une 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 maille à l'endroit,
deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. 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 Une à l'endroit, deux à l'envers. Une à l'endroit, deux à l'envers. Une à l'endroit, deux à l'envers. Hop. Une à l'endroit, deux à l'envers. Une à l'endroit, deux à l'envers. Une à l'endroit, deux à l'envers. Une à l'endroit, et on finit par deux à l'envers. Hop. Et je passe mon marqueur et je termine par 7 mailles de bordure à l'endroit. Et on a fait notre 6e rang. Hop, je tourne mon travail. Donc vous voyez, le motif se dessine. Donc le jersey, et ici c'est les points à l'endroit. Point mousse. Hop. Où est-ce que ça donne au niveau du point. Une fois qu'on a terminé nos 6 rangs de motifs, on retricote 6 rangs de points à l'endroit pour faire 3 barres de points mousse. Alors, là, je vais faire un rang. Je vais faire un. Je retourne mon travail. Deuxième rang. Et au troisième rang, faites attention. Donc, après, c'est vous qui déterminez où vous mettez vos boutonnières. D'accord ? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Non, je vais ma deuxième boutonnière, je la ferai plus loin. Donc, je vais faire les 6 rangs au point mousse et on se retrouve. Ma boutonnière, je la ferai plus loin parce que ça fait trop rapproché là quand même. Hop, zoup. Donc, oups. J'ai reçu un message, c'était pas prévu. Donc, 7 mailles de bordure, donc tout à l'endroit. Et on est parti pour faire tout au point mousse, donc tout à l'endroit. Bon, décidément, je suis partie très réclamée. Pas très sympa pendant ma vidéo. J'ai oublié de couper ma sonnerie. Hop. Zoup. Donc là, premier rang tout à l'endroit. Deuxième rang tout à l'endroit. Troisième rang tout à l'endroit. Quatrième rang tout à l'endroit. Cinquième rang tout à l'endroit. Sixième rang, tout à l'endroit, et ça nous fera 6 barres de points mousse. Hop. Alors, j'ai pas mis sur papier, je vais le noter. Comme ça, quand on va se retrouver, je vous redonne les explications des 6 rangs qu'on vient de faire.
Parce que du coup, là, je suis partie à tricoter et je ne l'ai pas noté. Donc, je vais tricoter les deux rangs en même temps que vous voyez bien qu'on change de point, que vous comprenez bien. Hop. J'ai pas compté le nombre de mailles du coup qu'on récupère avec les jetés. Ça, c'est pareil, il va falloir que je vous le mette sur le papier. Combien de mailles on a du coup? Parce que là, du coup, ça a fait des augmentations tout en faisant un motif. Hop. Et je termine donc par les 7 mailles du point motif, hein, de la bordure. Hop. Zoup. Je tourne mon travail. Je tire de la laine, ça tire un peu. Hop. Et on est reparti la bordure. Donc 7, 2, 3. 4, 5, 6, 7, je passe mon marqueur, et là, on a dit tout à l'endroit, vu qu'on est parti pour faire 6 rangs de points mousse. Donc là, c'est mon deuxième rang, tout à l'endroit. Ah, bah alors, je suis un petit peu avec vous, mais je vais pas faire les 6 rangs. Hein. C'est juste pour vous montrer. Hein. Hop. Donc, quand on est sur l'endroit, vous voyez, on est passé au point mousse. Donc là, on est reparti pour faire 1, 2, 3 barres de points mousse, d'accord. Et une fois que vous avez vos 3 barres de points mousse, donc vos 6 rangs tout à l'endroit, on se retrouve. Voilà où on se retrouve. Donc, j'ai fait mes 3 rangs, mes 6 rangs points mousse. 1, 2, 3 barres. La troisième est un ras de l'aiguille. Donc, voilà ce que ça donne. Ok. Vous voyez bien, on a la bordure ici, le point fantaisie qu'on a fait, et on revient sur la bordure ici. Ok ? Donc, une fois qu'on a fait ça, alors, je vous réexplique sur le papier ce qu'on vient de faire, parce que je ne l'avais pas fait. Donc, on avait fait les 6 rangs point mousse ici au démarrage. Ok, jusque là, on est bon. On a commencé le rang motif. Donc le rang 1, 7 mailles de bordure, 2 endroits, 1 jeté, 2 endroits, 1 jeté. Et puis qu'on n'a pas, j'ai oublié de marquer, on avait fait la boutonnière. J'ai oublié de noter la boutonnière. Quand on a commencé le premier rang ici en fait. Donc j'ai oublié de noter. Donc dans les 7 bordures, les 7 mailles de bordure, là on avait fait une boutonnière. J'ai oublié de noter, c'est en l'air. Donc une fois qu'on a fait nos 7 mailles de, donc nos 7 mailles ici, avant le marqueur. Donc,
le motif, on commence par deux maillons droits, un jeté, deux maillons droits, un jeté, etc. Et on finit par les 7 mailles de bordure. Ok ? Donc ça nous fait 98 mailles totales. Quand on retourne notre travail, donc sur l'envers du travail, on va faire donc les 7 mailles de bordure, donc tout à l'endroit bien sûr, une maille en droit, deux mailles en vert, une maille en droit, deux mailles en vert, une maille en droit, deux mailles en vert, une maille en droit, ainsi de suite, jusqu'à aller hop, l'autre côté avec les 7 mailles de bordure. Tourne notre travail. Le rang numéro 3, on avait fait 7 bordures, 7 mailles de bordure. Et on tricote tout à l'endroit. Et on termine par 7 bordures. On tourne notre travail. Le rang numéro 4, donc on fait les 4, les 7 mailles de bordure ici. Et puis après, on fait une maille en droit, deux en vert, une en droit, deux en vert, une en droit, deux en vert, ainsi de suite. Et on finit par ici avec 7 mailles de bordure. On tourne notre travail. Le rang numéro 5, on a refait ce qu'on a fait ici. Et le rang numéro 6, on a refait ce qu'on a fait ici. Donc voilà les 6 rangs pour obtenir le point motif. Si vous avez bien vu, je vais essayer de mettre en sorte que vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc vous ferez un arrêt sur image hein, si vous voulez avoir plus le temps de lire ou de recopier. Une fois qu'on a fait notre rang, nos motifs ici, les 6 rangs motifs, on a tricoté donc là les 3 barres, donc les 6 rangs point mousse. Donc on a fait ceci, 6 rangs point mousse, donc les 3 barres. Et on va revenir, on refait le motif, donc refaire les 6 rangs que je viens d'expliquer. Là, ces 6 rangs-là, on les refait ici. Et on fait 6 rangs au point mousse, comme on a fait ici. D'accord ? Donc, ce qu'on vient de faire, 6 rangs du motif et les 6 rangs du point mousse. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve. Alors, j'ai fait... Hop. J'ai fait mon deuxième motif. Là, j'ai attaqué. J'ai fait donc un aller et un retour tout droit. Et comme je vous avais dit, n'oubliez pas, je cherchais ma boutonnière. N'oubliez pas pour les boutonnières. Donc moi, du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barres avec celle qui a raté mon aiguille. Donc en fait là j'ai commencé le point mousse, donc j'ai fait que une barre. Et là je vais commencer à faire ma boutonnière, donc ma deuxième boutonnière. Donc vous voyez, vous, à quel endroit, soit vous la mettez plus tôt, si vous voulez que les boutons soient plus proches, ou plus tard, si vous voulez que les boutons soient plus éloignés. Donc... je remonte, je vais vous montrer pour la deuxième fois la boutonnière. Et après, par contre, je vous la montrerai plus. Hein. Donc, à vous de... si j'oublie pas, parce que ça m'arrive d'oublier de... les boutonnières, donc je défais tout pour tout refaire. Enfin, bref. Donc, je vous montre comment faire la boutonnière. Donc, moi, ça sera ma deuxième. Donc, la première maille lisière. Donc, on tricote 2, 3. Je fais un jeté. Deux mailles ensemble. Donc, à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du travail.
Et comme tout est au point mousse, j'essaierai un peu moi. Comme c'est que du point mousse, donc ça sera que deux mailles en droit ensemble à l'endroit. Et une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Ma boutonnière est tricotée. Donc on continue tout à l'endroit, je tourne mon travail, je reviens et je tricote tout à l'endroit et ma deuxième boutonnière elle sera faite. Donc on se retrouve une fois qu'on a fini le sixième rang au point mousse. Ah, je me suis avancée, donc je vous ai montré, hop, c'est ce côté-ci, j'ai fait ma deuxième boutonnière, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 barres, je fais ma boutonnière et là je repars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il me reste encore 2 tours à faire pour faire une autre boutonnière. Donc j'ai fait 3 motifs, 1, 2, 3 et je termine par 3 points mousse. Alors, je récapitule là. Hop. Donc, on a les rangs du motif, les 6 rangs. On avait 6 rangs au point mousse, donc 3 barres. On était reparti sur un autre motif, donc le deuxième motif, 2. Donc, on fait les 6 rangs, ce qui nous fait 140 mailles. On fait les 6 rangs au point mousse, donc 3 barres. On fait le troisième motif, qu'on refait les 6 rangs, ce qui nous fait en tout 203 mailles. J'ai fait donc mes 3 rangs au point mousse. Et là, on va séparer le travail. Donc là, moi, j'obtiens... Hop. 11 cm, je ne sais pas si vous voyez, 11 cm de hauteur entre le moment où je commence et quand j'ai fait mes 3 barres de point mousse. Ok. Maintenant, on va séparer notre travail en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Donc, vu qu'on a commencé le travail ici, on va faire un demi. Donc, on va compter 35 mailles. 35 mailles pour la manche. 63 mailles pour le, on va dire, le dos. 35 mailles pour la manche. 35 mailles pour le demi devant. Donc, pour cela, il va vous falloir, hop, j'ai pas de petites, mais je vais faire quand même avec, des arêtes mailles. J'aurais préféré avoir ma deuxième petite jaune, mais tant pis. Donc là, on va passer... Donc là, on sépare notre travail. Donc 35 pour le demi-dos, 35 pour la manche qu'on va mettre en attente, 63 pour le dos, 35 pour la manche qui sera en attente et 35 pour le demi-devant. Alors là, je ne tricote pas les manches en premier parce que je ne veux pas couper ma laine. Et je n'ai pas une deuxième pelote pour faire les manches. Donc du coup, je vais faire le corps. Donc là, on va tricoter donc le corps. Donc ça nous fait 35 plus 63 plus les 35. Ok, donc 70,
70. Donc, 35 plus 63 plus 35, ça nous fera 133 mailles. Ces 133 mailles, on va les tricoter en jersey pendant 14 cm. Alors, pour cela, on va commencer donc le premier rang jersey. Donc le rang jersey, le jersey, c'est un rang à l'endroit. Puis on tend notre travail et on tricote tout à l'envers. Rien de compliqué. Et vous n'oubliez pas vos boutonnières. D'accord? Au cas où, si moi je les zappe, ne les zappez pas pour vous. Donc, ici, les 7 premières, donc ça sera toujours au point mousse, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin. On fera que du point mousse sur cette 7 mailles. C'est pour ça que j'avais mis le marqueur, parce que qu'on ne les oublie pas. Donc une fois que j'ai fait mes 7, donc ici je vais continuer à tricoter tout à l'endroit. Donc là je compte 35, donc j'en ai 7, donc à l'endroit parce qu'on fait le jersey, donc le premier rang, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Voilà. Que j'ai tricoté mes 35 mailles. Les 35 mailles de la manche, je les mets en attente. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Là. Hop. De là, je reprends mon tricot. Je compte 63 mailles. Donc, une, deux, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30.31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, hop, 50. Cinquante et une, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Une fois nos 63 tricotés, on remet 35 pour la manche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Hop, 35. Une fois que mes 35 sont faits, normalement, si j'ai bien compté, il me reste 35 mailles. Hop, et on est reparti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et après la dernière, 35. Donc on a bien nos 133 mailles. Donc le rang numéro, rang numéro 2, si on veut. Donc les premières mailles, donc les 7, on tricote toujours au point mousse, ça ne change pas. Hop, c'est parti. Donc tout à l'endroit, les 7 premières et les 7 dernières. Hop. Je tourne mon travail. Là, je tourne. Je passe mon marqueur. Oh, je suis fatiguée. Et je tricote comme on est sur l'envers du travail. Je tricote tout à l'envers les mailles
pour commencer le jersey. Et on va tricoter ainsi jusqu'à obtenir 14 cm de tricot jersey. Donc je ne vais pas tout tricoter avec vous, hein. Ça commence à faire un peu long. C'est juste pour vous montrer le démarrage. Hop. Je ne suis pas installée comme d'habitude, j'ai un peu de mal. Je vois pas correctement mon tricot, je suis pas installée comme d'habitude. On se rend compte quand on tricote que c'est pas. J'espère que vous voyez quand même et que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Hop. Alors quand on arrive entre au niveau des manches là qu'on a mis en attente, n'hésitez pas à serrer un peu plus vos mailles pour pas que ça entrebâille. On a dit à l'envers, on n'a pas dit à l'endroit, mais c'est du jersey. Oh, mes doigts sont indisciplinés. Hein. Vous voyez bien ce que je fais en fait, ce que je suis en train de me demander. Je suis toujours dans le cadran ou pas. Hop. Donc là, on essaye de resserrer un peu les mailles. Pas que ça entrebâille de trop, voilà, voyez. Je vais tourner mon travail, je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous compreniez bien ce qu'on a fait. Important de comprendre pour être sûr de réussir. Voilà, j'arrive au marqueur, je le passe et là je fais les 7 mailles à l'endroit pour faire le point mousse de la bordure. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on, voyez, on passe au jersey. Pas que je perds mon tricot non plus. Donc là, on est passé au jersey. Si vous voyez bien. Là, pareil.
Allez. Et on reste ici au point mousse. Et ici, on reste au point mousse. Donc, ce qu'il y a entre celui-ci et ici, ça sera que du jersey. Donc, un rang à l'endroit, on tourne notre travail. Un rang à l'envers, on tourne notre travail à l'endroit. Tourne notre travail à l'envers. Ok ? Et on va faire ça jusqu'à obtenir 14 cm de jersey. Et on se retrouve. Donc, voilà le jersey, ce que ça donne en fait. Hop. Donc là, on va mesurer donc du dernier ici point mousse jusqu'en bas pour obtenir donc 14 cm. Et il nous restera, hop, dans le bon sens, ça serait peut-être mieux. Donc, hop, 14 cm. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Donc, 14 cm. Une fois qu'on a nos 14 cm, on va faire 3 barres comme ici à la fin pour rester dans le même thème. Je suis en train de chercher mon cahier. Donc là, c'est ce qu'on a fait, donc le corps, donc les 133 mailles qu'on tricote, donc 7 au point mousse. Le restant en jersey, plus 7 dernières au point mousse pour les bordures. Donc, on a tricoté donc les 14 cm. Donc, maintenant, on va passer au point mousse. On fait 3 barres, donc 6 rangs point mousse, tout à l'endroit. Et une fois qu'on aura obtenu les 3 barres, on rabat toutes les mailles. Donc, moi, ici, j'ai ma boutonnière. J'ai réussi à ne pas les oublier. Je ne sais pas, un miracle. Bon, j'ai tout noté sur papier aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'hésite de faire la dernière parce que ça sera vraiment en bas, vraiment très bas du gilet. Je pense que je ne vais pas faire la dernière. Je ne sais pas trop. J'hésite parce que au final ça me ferait la boutonnière et il me resterait ça à peu près, même pas. Donc j'hésite pour ma dernière boutonnière, est-ce que je la fais ou pas. Donc je vais voir ça. Donc une fois qu'on a tricoté donc toutes les mailles à l'endroit, donc les 3 rangs, les 6 rangs, les 3 barres, donc les 6 rangs, on se retrouve pour rabattre les mailles. Une fois qu'on a fait, donc, comme vous voyez, 1, 2, 3 haras des aiguilles, du coup, j'ai fait une boutonnière. Donc, j'ai pas été à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai été à 9 parce que 10, ça m'aurait décalé. On était vraiment trop bas. Donc, du coup, j'ai fait ma boutonnière un rang avant. Comme ça, il y a un bouton en bas du gilet. Parce que ça faisait un peu trop d'espace sans pouvoir le fermer. Hop. Donc maintenant, on rabat les mailles. Donc là, c'est ma maille lisière. Je tricote une maille. Je prends ma maille lisière, je la passe par-dessus. Donc là, on tricote tout à l'endroit et on rabat les mailles.
j'enlève mon marqueur, j'en ai plus besoin. Et on va faire ceci jusqu'à la fin. On rabat vraiment toutes les mailles, les 133 mailles. Et on se retrouve, donc une fois que vous avez fini de rabattre toutes les mailles, on va se retrouver pour commencer les manches. À tout de suite. Une fois donc rabattu toutes les mailles, j'ai caché le fil. On attaque les manches. Alors pour ça, je repasse toutes les mailles, donc les 35 mailles sur mon aiguille. Et on va tricoter en jersey. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc ce qu'on va faire sur cette manche ici, eh ben, on reproduira exactement la même chose de l'autre côté. Je les fais glisser hein, telles qu'elles ont été mises en fait sur l'aiguille. Hein. Je ne les tourne pas, rien. Donc voilà. Hop. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Hop. Donc. Zoup. Me voici sur la première manche. De caler mon fil, ce qui m'embête un petit peu. Hop, hop, hop. Du coup, je fais la première. Bah, du coup, je tricote la première maille, hein, vu que on remet un fil. Et donc là, ça sera premier rang tout à l'endroit. On va tricoter les 35. Maille tout à l'endroit. Donc les premiers rangs, ça sera peut-être un peu tendu par rapport qu'il faut reprendre le tricot. D'habitude, je tricote les manches avant. Mais là, je voulais pas couper mon fil, en fait. Pour pas avoir des rajouts de pelotes partout. Ce qui permet de changer aussi un petit peu la façon de faire. Hop. Qui est pas plus compliqué, hein. Que ce qu'on fait d'habitude. Hop, et voilà. Je tourne mon travail et je tricote le rang tout à l'envers. Je sais pas si vous voyez. Et on va continuer à tricoter comme ceci le jersey. Je sais plus le nombre de centimètres. Je reviens vers vous pour vous dire exactement pendant combien de temps on tricote du jersey pour les manches, pour avoir la longueur de la manche.
Voilà, resserre un petit peu, tourne mon travail, et là, vous voyez, on a commencé le jersey. Donc, nous voici, donc là, le démarrage de la manche, que vous voyez bien, hop, zoup. Ça, c'est le demi-côté. Ça, c'est la manche. Hop, je la mets bien droite, bien à plat pour pouvoir mesurer. Hop. Donc là, je prends à ras. Ici, on a le point mousse. Donc, à partir du point mousse, si je mettais le bon côté, jusqu'en bas de l'aiguille, eh ben, j'ai 14 cm. Ok. Une fois que j'ai ces 14 cm, on va faire donc les 6 rangs point mousse, comme on a fait ici en bas du gilet. Jersey point mousse. Donc là, on fait les 6 rangs pour obtenir les 3 barres point mousse. Hop, je vais pas tout filmer, hein. Et on rabat. Hop, zoup. Donc tout à l'endroit. Premier rang, deuxième rang, tout à l'endroit. Troisième rang, tout à l'endroit. Quatrième rang, tout à l'endroit. Cinquième rang, tout à l'endroit. Et le sixième rang, tout à l'endroit. Et on rabat toutes les mailles. Une fois qu'on aura fait ça, n'oubliez pas de laisser de la longueur de fil pour la couture. Et on va attaquer la deuxième manche. Je vous montre juste le démarrage de la deuxième manche. Et vous faites exactement la même chose qu'ici. Je ne vais pas tout refilmer, hein. Juste le démarrage, que vous comprenez bien dans quel sens reprendre votre tricot. Tout simplement. J'ai un nœud dans la laine. J'espère que je vais pouvoir réussir à faire mon demi-tour. Hop. À l'endroit. Et non. Donc, une fois fini les 6 rangs, on se retrouve. Donc, voici. Alors, j'ai commencé à rabattre les mailles. Hop, que je vous montre. Donc j'ai bien mes 1, 2, 3 et là je rabats. Donc 1, 2, 3 à ras de l'aiguille et là je rabats toutes les mailles, donc, toujours à l'endroit vu qu'on est sur du point mousse. Je tricote, j'attrape la maille derrière et je la passe par-dessus. Et vous laissez une longueur de fil pour pouvoir faire la couture de la manche. Hop.
Hop. Je passe le fil dedans. Zoup. Zap, zap, zap. Je tire un peu pour bien faire le nœud. Et voilà. Nous avons, hop, terminé la manche. Donc il ne restera plus qu'à la coudre. Donc là, ça roulotte, c'est normal vu que c'est du jersey. Hop, essaye de la dérouloter. Donc, vous voyez, hein, ça roulotte, c'est logique vu que c'est du jersey. Donc il n'y aura plus qu'à la coudre et nous aurons la petite manche de fête. Donc là, on va passer à l'autre manche. Hop. Donc là, c'est pareil, hein, on reprend comme on a mis l'aiguille, l'arête maille. Je ne sais pas si je vous avais montré le carnet. Donc pour la manche, on remet les 35 mailles sur l'aiguille à tricoter. On fait 14 cm de jersey, puis 6 rangs de points mousse et on rabat. Et donc on laisse du fil pour faire la couture des manches. Ok ? J'espère que c'est bien visible et voyant. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hop. Mon aiguille. Hein. Mes aiguilles. Hein. Je ne sais plus où elles sont. Donc, je récupère. Je les refais passer telles qu'elles sont. Je les tourne pas, je les prends telles que je les ai mises sur mon arête maille ou sur un fil. Si vous avez des bouts de fil. Hop. Donc on remet les mailles sur l'aiguille. Et on recommence comme la toute première manche, la même chose à l'identique. Hop. Voilà. Zoup. Donc, me voici, là, je suis sur le devant du travail. Zoup. Je récupère mon bout de fil. Et donc là, je commence mon premier rang de jersey. Donc, comme on est sur l'endroit du travail, tout à l'endroit, bien évidemment. Un brin, pas deux, voilà. J'ai pris quoi encore? C'est bon. Et donc, premier rang tout à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du travail. Deuxième rang tout à l'envers, vu qu'on fait du jersey. Tout simplement. Je ne sais pas si je suis dans le cadran.
Voilà. De là, on tourne notre travail. Hop. On se retrouve sur l'envers, donc on tricote tout à l'envers. Donc, ma première maille, je ne la tricote pas, c'est une maille lisière. Et je tricote toutes les mailles à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Parce qu'avec l'ombre... éloigner un peu. Donc tout à l'envers. Et on va tricoter comme ça du jersey pendant 14 cm comme tout à l'heure. Puis une fois qu'on a fini les 14 cm, donc là on va faire 14 cm de jersey, puis 6 rangs de points mousse pour obtenir les 3 barres, puis on rabat, on laisse du fil et on se retrouve pour la couture. À tout à l'heure. Je suis partie sur la couture, je vous ai un petit peu oublié. Donc là j'ai mis les petits boutons sur le gilet. Comme c'est un gilet, du coup, j'ai mis un petit peu de fantaisie. Donc, j'ai cousu la première manche. Et là, la deuxième, je suis partie en direct pour la coudre. Et je vous ai complètement oublié de filmer. Donc ici, le fil était ici. Donc, j'ai fait petite boule sur petite boule pour rejoindre tout ce qui est point mousse. Et là, on est passé au jersey. Et pour le jersey, je passe ici. J'ai deux petits bâtons. Je ne sais pas si vous voyez. Deux petites barrettes. Hop. Je vais en face. Et pareil, je récupère un, deux. Et je passe. Donc là, vous voyez, j'ai pas serré. Hein. Voilà. Et quand je tire sur mon fil, zoup, je soude la couture. Voilà ce que ça donne. Et l'intérieur, ceci. Donc voilà. Donc je continue. Alors, faut bien tirer sur la... sur la laine pour bien souder les bords. Hop, une, deux. Alors vous voyez, quand vous tirez vachement, trop, ça fait ça. Donc après, vous redétendez votre tricot. Faut tirer, mais pas trop non plus. Parce que vous voyez, si vous tirez trop, ce que ça donne. Donc, faut bien tirer. Et après, si vous voyez que vous avez trop tiré, en fait, vous le redétendez. Mais la couture, elle ne se voit pas. Donc, on continue comme ça jusqu'ici. Hop. Après, si vous avez une autre technique, n'hésitez pas à l'utiliser et à la partager aussi. En fait, moi, mes vidéos, je vous montre tout simplement ce que, la façon que je le fais.
Après, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques, il y a, voilà, c'est chacun sa façon de le faire pour obtenir souvent le même résultat. Faut être juste à l'aise avec ce qu'on fait en fait. Alors là, c'est donc je disais gilet brassière. Donc là, c'est plus un gilet qu'une brassière au final, parce qu'il est un peu plus grand que la brassière, vu que le bébé est quand même habillé en dessous. Donc pour mettre sur un pyjama ou sa petite tenue, si voilà, pour le printemps. Qu'il soit couvert, mais pas emmitouflé comme en hiver, quoi. Voilà, hop. Donc on arrive à l'extrémité. Et on arrive au point mousse. Hop. Donc, je termine de tirer. Si vous tirez pas assez, vous voyez, ça fait ça. Hop, je suis partie où? Si vous tirez pas, en fait, on va voir. Il faut bien. Et ça fait un trou. Donc, on prend bien l'extrémité pour bloquer et on tire pour bien. On sent le fil hein, qui glisse. Voilà. On voit. C'est bien. Voilà. Une fois que j'arrive, hop, j'ai ouvert mes fenêtres parce qu'il fait super beau. Mais en fait, il y a beaucoup de bruit. Je prends ici le point mousse avec le point mousse. Ici, ici. Voyez ce que ça donne. Et je passe mon fil à travers. Elle est là. Et je vais venir faire un petit nœud pour bloquer. Je suis plus dans le cadran pour bloquer mon fil. Et je vais venir le cacher. Tout simplement. Voilà. Je vais attacher l'autre petit fil avec. Et il n'y a plus qu'à tout cacher.
Alors je vérifie que c'est pas trop tiré, hein, que ça fasse pas une barre. C'est pas le but, il faut que ça reste souple. Donc voilà. J'ai plus qu'à cacher l'autre fil, on coupe et c'est fini. Donc voilà. Hop. Excusez-moi, j'ai attrapé la crève. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Les derniers temps, là, on a eu des rafales de vent, la pluie. Là, il fait super beau aujourd'hui. Le temps, il change tellement vite qu'on ne sait plus comment s'habiller et on attrape froid au final. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la manche. Alors, vous voyez, c'est vachement extensible hein, quand même. C'est pas... Voilà. Ça paraît fin parce qu'on l'a fait une manche droite. Mais au final, je passe ma main. Hein. C'est quand même extensible. Donc voilà. Donc pour moi, ça sera un petit gilet qu'on mettra par-dessus une tenue de bébé. Si vous l'utilisez en brassière, du coup, ça fait une taille au-dessus, quoi. Et si vous voulez vraiment la faire comme brassière, va falloir peut-être prendre une aiguille plus petite, plus une taille, une demi-taille en dessous, en fait, pour pouvoir l'obtenir à la taille de bébé en brassière. Après, à vous de voir. Enfin, moi, je l'utilise comme ça en gilet. Je trouvais que le motif était super sympa. Donc voilà, voilà. Je suis à peu près au niveau de mon écran, je trouve, aujourd'hui. Zoup. Donc, j'ai pas zoomé pourtant. Hop. Je reprends le tricot là. J'ai eu un petit moment où j'ai pas eu le temps d'en faire. J'étais un peu prise. Et du coup, ça fait un moment que j'ai pas réinstallé mon matériel. Et du coup, je n'arrive plus à retrouver mon angle pour vraiment avoir. Comme je faisais avant. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la brassière. Donc pour moi, c'est vraiment un gilet. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous retrouve pour d'autres tutos. À bientôt.